Et je vais vous présenter un glitch sur Dragon Ball Sparking Zero qui va vous permettre d'avoir de l'argent en illimité. Et je tiens à faire une grosse dédicace à l'abonné Nezix qui m'a justement partagé cette info. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir aller dans l'histoire principale de Sangoku. Ensuite, vous allez devoir vous battre contre Freezer. Donc vous cherchez la mission l'éveil de Sangoku Super Saiyan. Et regardez, quand vous allez appuyer sur triangle, vous allez voir les récompenses que vous allez obtenir. Et les récompenses, c'est 1000 zenis. Mais vous allez obtenir la tenue de Sangoku Z Milieu. Et cette tenue, en fait, elle coûte 300 000 zenis. Donc comme vous l'aurez déjà débloqué une fois, quand vous allez refaire le combat et que vous allez le terminer, vous allez redébloquer la tenue de Sangoku Z du Milieu. Et à ce moment-là, comme vous avez déjà le personnage, ben, le jeu va vous donner 300 000 zenis en échange. Et bien entendu, vous pouvez faire cette astuce en illimité. Alors ce que je vous conseille, c'est d'appuyer sur L2 pour changer la difficulté, de le mettre en facile, comme ça vous allez pouvoir tuer Freezer beaucoup plus rapidement. Alors maintenant, je vous laisse avec le gameplay pour vous montrer comment tuer Freezer super facilement et rapidement. くたばりどこない。いいだ。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のような。地球人のように。人の子とか。グリリンの子とか。最長老よ。今すぐシェンロンに頼んでくれ。グリミザを除く者たち全てを地球に送ってくれ。